Pour la quatrième rythmique, la rythmique jazz, qui est un petit peu plus technique, la basse fait ce qu'on appelle dans le jargon des musiciens un walking bass. C'est un terme anglais qui veut dire la basse qui marche. Puis on peut comprendre ce que ça veut dire quand on entend un peu le son. Ça, on dirait vraiment une basse qui avance comme ça. Donc le chant va comme ça. Vous entendez un peu. L'idée, c'est d'avoir une note à chaque temps avec un peu le fil de triolet, parce que le jazz est en swing. Puis le swing, c'est quoi? Bien, c'est le premier et le trois. Si on divise le temps en trois, ça va 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est comme un triolet. 1, 2, 3, on divise en trois. Ça va être le premier et le troisième rythme qu'on entend. Fait que le swing, c'est ça, c'est 4 touf, 4 touf, 4 touf, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Ça, c'est la grosse swing. Fait qu'il faut un peu sentir ça quand on joue, même si on joue juste les noirs, nous. Fait qu'on peut des fois comme faire ce qu'on appelle des ghost notes, des notes fantômes, juste pour amener le swing un peu. Et pour les notes d'approche que j'utilise, il y a plusieurs façons de voir le walking bass, puis je vous conseille de vraiment expérimenter vous-même par rapport aux progressions d'accords. Ce qu'on peut faire, c'est soit jouer des notes de passage qui sont dans la gamme, ou jouer des notes de l'arpège, ou jouer des notes chromatiques, un demi-ton en dessous de la note de l'accord vers lequel on va. Donc, pour ce chant-là, moi, ce que je fais, c'est ça commence sur un La. Je fais une approche chromatique vers le Ré. Mais le Ré, en fait, bien, le Do dièse, qui est l'approche chromatique du Ré, c'est déjà une note de l'accord de La, c'est la tierce. Fait que ça va bien. Après ça, je fais un autre demi-ton chromatique qui va vers le Mi. Puis après ça, je fais juste une petite passe de chromatisme ici. Puis là, je fake un peu le walking bass. Je walk plus vraiment. Je fais juste jouer des notes sur les notes de l'accord. Puis après ça, je descends une gamme. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est le même début. Sauf que la fin, c'est ré, ré, mi, mi, la. Ré, ré, mi, mi, la. Donc ça, si je joue le tout, ça va comme ça. Pour le couplet du chant « Qu'exulte tout l'univers » qui illustre la rythmique de type jazz, j'ai choisi un rythme qui est un peu différent des autres qu'on a vus jusqu'à présent. Donc, je vais le jouer pour deux accords et je vais vous l'expliquer ensuite. Donc, ça va comme ça. Donc, le rythme dure quatre temps. Donc, ça, c'est quatre temps en tout. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on frappe sur le premier temps. Ensuite, sur le « et » du 2, si on divise la pulsation en deux, donc 1 et 2 et 3 et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bien, ça arrive sur le « haut », dans le fond, sur le 2. Donc, ça fait 1, 2 et 4. Donc, c'est 1 et du 2 et 4. Après ça, on recommence sur le 1. Donc, ça fait 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Donc, ça donne dans la progression harmonique du couplet ça. Donc, à la fin, il y a un petit punch pour réintroduire le refrain qui, la progression d'accord, c'est ré, si, mi. Donc, ça va. Donc le mi aussi est sur la levée qu'on appelle, donc sur le contretemps. 1, 2, 4. 1, 2, 1, 2 et 3, 4 et. 1, 2, 3. 1, 2 et 3,
3, 4 et 1, 1, 2 et 1, 4, 1. Donc ça, c'est sur le E du 2 et le E du 4. C'est ça. Donc, bonne pratique.